Sens aérien, recherche de cible. Salut les gens, salut tout le monde, c'est le Ctetou. Comment allez-vous? Écoutez, moi je suis super bien. Aujourd'hui on se retrouve malheureusement pour une vidéo sur Call of Duty World War 2. Non, allez, je suis un peu méchant. On va dire qu'il faut bien que je joue le jeu. Voilà, vous avez décidé que je ferai une vidéo sur Call of Duty World War 2. La voici. Donc là on se retrouve directement en mêlée générale. Tenter de faire peut-être une petite V2 en live en mêlée générale. Sachant que je ne l'ai jamais tenté de ma vie d'ailleurs. C'est un truc que j'ai jamais tenté sur World War 2. De mettre la nucléaire en mêlée générale, mais c'est plutôt assez intéressant. D'ailleurs, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. C'est vrai que les dernières vidéos, j'ai pas trop dit, etc. Et vous étiez quand même présents, donc ça fait extrêmement plaisir. Merci d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si on pouvait atteindre les plus de 1000 likes avant la sortie de Modern Warfare. Ça serait juste génialissime. Et sur le coup, n'hésitez pas d'ailleurs de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'à la fin, mon dieu, je vous ai sorti une nucléaire. Avancez, magnifique. Magnifique. Alors, j'essaie un peu de me concentrer parce que je viens d'entrer dans la game. Et je vous avoue que Gibraltar, hein, c'est parce que cette map a été tellement mal construite. On a appelé Gibraltar avec les potes. Surtout en domination. Bon, du coup, c'est parti. Je sais plus, non, la V2 c'est en 25 kills, donc on va essayer un peu de se concentrer. Lui déjà, il commence déjà un peu à me saouler là. Il va faire que les tours de map, tu vas voir. Bon, de toute façon c'est comme ça qu'on joue en FFA. Hein. Si tu vas mettre une V2 en FFA, ça joue ainsi. Ça va te recharger un peu. Ok. Ah, regarde, oui. Regarde, oui, directement reparti. À son petit top. Du coup. Voilà, merci. En plus j'aime bien parce qu'il a le truc comment ça s'appelle, brouilleur, donc ça veut dire que je... Pareil de contre-reconnaissance, pareil. Contre-reconnaissance engagée. Reconnaissance. Je peux à chaque fois le voir. Okay. Ok. Oh putain, en plus il joue avec l'arme ultra cheatée. Oh là 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 là. Oh là 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 là, il vient déjà me chercher. Ça va pas tarder, hein. Oh. Il me cherche lui, hein. Ouais, je cours. Vol de reconnaissance terminé. Mais arrête de me chercher. Mais mec, c'est un abonné ou quoi? C'est. Mec, depuis quand j'étais abonné sur World War 2, moi? Non, parce qu'encore BO3, tu vois, j'hésitais à dire que j'étais sur. J'hésitais à dire que j'étais sur BO3, parce que moi, BO3, mec, je suis l'ennemi public numéro 1. Hein. Je dis que je suis sur BO3, je suis mort. Hein. Et je rigole vraiment pas avec ça. Dégage. Il veut vraiment ma peau. Hein. Oh, un AFK au bouclier. On dit pas non. On dit jamais non, un mec comme ça. Arrête de contre-reconnaissance, pareil. Et il veut vraiment ma peau, hein. Lancée. Surveillance aérienne en vol de reconnaissance terminée. Vol de contre-reconnaissance terminé. Retour à la base. Contre-reconnaissance engagée. Interception de l'appareil ennemi.
pris tes vues. Ok. Bon. Vol de reconnaissance terminé. Il a disparu. Ah, on fait bien attention, hein. Vol de contrôle reconnaissance terminé. Retour à l'aérodrome. Ok. Appareil de contre-reconnaissance paré. Contre-reconnaissance engagée. Interception de l'appareil ennemi. Reconnaissance en cours. On va faire attention quand même, hein. C'est très gentil, merci. Si vous avez d'autres bonnes idées. Ok, il est allé au top. On peut l'avoir. Il bouge. Ok. Ouh, c'est chaud. Vol de reconnaissance terminé. Vol de contre-reconnaissance terminé. Retour à l'appareil de contre-reconnaissance prêt à décoller. Contre-reconnaissance engagée. Interception de l'appareil ennemi. Ça commence vraiment à être chaud là. Juste qu'il vienne un peu plus. Ok. Rien qu'à venir. Oula, oula, oula. Non ! Oh putain. Ça commence à vraiment devenir trop chaud là. Vol de contrôle reconnaissance terminé. Retour à l'aide. Vol de reconnaissance terminé. Ok, c'est par ici. Reconnaissance parée. Non, lâche le pouce bleu. Vous connaissez beaucoup de youtubeurs là? Ils font directement des nucléaires V2 là sur World War 2. Allez, let's go. Et c'est ma première en mêlée générale. Franchement, je suis grave heureux. Mais du coup, tout ça, en fait, j'ai toujours pas pu parler, étant donné que j'étais vachement concentré. C'est vrai que c'est pas le Call of Duty, mon Call of Duty préféré pour beaucoup de raisons. On va dire que là, ça s'est un peu calmé. Tu vois, tu tombes sur des accueils un peu aléatoires, des fois tu tombes sur des bons joueurs, des fois sur des mauvais, etc. Donc c'est plutôt assez cool d'ailleurs. J'aime bien quand c'est comme ça, mais c'est vrai qu'à la sortie de World War 2, le matchmaking était quand même assez horrible. Surtout pour les personnes ayant de bonnes statistiques, je vais pas dire des grosses, mais déjà à partir de 2, tu sentais que le matchmaking était toujours contre toi. Ce qui est un peu dommage, là, vu qu'il y a moins de monde et tout, tu peux tomber sur tout et n'importe quoi, mais plutôt assez content de cette nucléaire V2 là. Bon, elle est pas aussi belle que la nucléaire que j'ai, enfin la médaille nucléaire que j'ai pu sortir, mais c'était sympathique. Et il y a eu quand même un challenge à la fin, tu vois, il y a quand même un petit challenge et tout sur le dernier truc. Enfin bref, tout ça pour dire, c'est que c'est vrai qu'à une époque, beaucoup de gens m'avaient posé cette question, pourquoi t'arrêtes Call of Duty, pourquoi t'arrêtes YouTube, etc. Et c'est vrai que il y a eu une petite raison, et en fait j'ai jamais réellement tout donné des raisons de mon inactivité hein, sur YouTube. Bon déjà il y avait déjà les études, comme j'ai dit, après je m'étais vraiment dégoûté à faire une vidéo par jour quasiment pendant une semaine. C'était horrible au sens du terme, c'est que je devais toujours être en forme, j'avais pas le droit d'être malade, je devais être à l'heure pour les cours, sans parler aussi des projets à donner hein, parce que sinon tu te tapes des sales notes. Donc c'était quand même assez horrible, et au niveau du planning j'en pouvais plus et j'étais absolument dégoûté, sans parler de BO4 qui m'a... Voilà, les développeurs m'ont totalement... ils m'ont anéanti, tu vois, j'étais en baroud d'honneur et je disais putain, il y a un bon truc qui va sortir. Et deux secondes après, j'ai vu des trucs horribles et ça m'a quand même assez dégoûté. Bon, du coup, vu qu'on a sorti la V2, je pense que... Ouais non, Shipment V2 c'est un peu... Ah, mais les générations sont compliquées. On va dire que ce sera...
ça va être la dernière. Ok. Putain, ça commence. Ok, d'accord. Ok, d'accord, ça commence déjà. Ouais, ouais, calmez-vous, là. Prêt à décoller. Contre-reconnaissance engagée. Interception de l'appareil ennemi. Reconnaissance de cible en... Ok, ils sont vénères, là. Ils sont... Ah bah non, c'est les spawns de... C'est spawn World War 2, ça. Les mecs, vous êtes à côté, les mecs, hein. Appareil de contre-reconnaissance prêt. Contre-reconnaissance engagée. Interception de l'appareil ennemi. C'est intense, hein. Vol de reconnaissance terminé. Vol de contre-reconnaissance terminé. Ah, dommage. Ah, c'était sacrément intense, là. Je me suis dit peut-être pourquoi pas la mettre. C'est un peu chaud sur Shipment en réalité. Regarde, moi c'est spawn aussi. Là c'est trop compliqué Shipment. Et déjà ils auraient dû réduire le nombre de personnes. Mais wesh, tranquille. Moi là aussi. Mais j'ai un spawn, il y en a un autre. Alors je dis pas non, de temps en temps un peu de spawn kill, hein. Ça me fait plaisir. Mais regarde. Wesh. Regarde l'autre qui tombe. Non. C'est possible. Non. De contre-reconnaissance prêt à décoller. Ok. C'est intense comme game, hein. Contre-reconnaissance engagée. Vraiment très intense. Interception de l'appareil ennemi. Reconnaissance en cours. Tu fais quoi? Mais... c'est chaud. Non, franchement, Shipment pour mettre une nucléaire en V2 et en bougeant comme j'ai fait, c'est impossible en fait. Faudrait que je bouge pas d'un endroit en réalité. Vol de reconnaissance. Je vois pas trop l'intérêt, tu vois. Je veux dire, on a déjà mis la vidéo avant. Regarde, j'ai même plus de mule. Foutez-moi la paix aussi. J'ai même pas le temps de rechercher. Mais je suis censé faire quoi, moi? Vol de reconnaissance terminé. Vol de contre-reconnaissance terminé. Recherche des... Ah zut. Ah, ça c'est vraiment... Mais qu'est-ce que c'est ici, machin? Oui, je vous pompe dans un corner quand même, c'est chaud. Enfin bref.